Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Lisez-vous le belge, sous-entendu, lisez-vous des auteurs belges. C'est le nom d'une opération en cours jusqu'à la fin du mois de novembre et qui consiste à mettre en avant la littérature belge dans les librairies ou les bibliothèques. Alors romans, poésie, bandes dessinées, les auteurs et autrices belges arrivent-ils facilement à trouver un éditeur et ensuite un public, ou faut-il forcément passer par un grand éditeur français pour avoir du succès et vendre beaucoup de livres? Les libraires, mais aussi les bibliothèques, les médias, les lecteurs font-ils d'ailleurs la distinction entre la littérature belge et la littérature française? Voici quelques-unes de nos têtes de chapitre pour ce soir. Voilà, et pour répondre, deux invités, nous sommes avec Else de Clercq, vous êtes libraire, vous avez ouvert une librairie qui s'appelle Herbe Folle à Anderlecht, et Geoffroy Wolters, vous êtes vous le coordinateur du PILEN. Alors le PILEN, c'est le partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique. Je vais commencer avec vous d'ailleurs, peut-être, première question. Non, on va présenter un petit peu ce fascicule, lisez-vous le Belge qui est sorti, c'est un catalogue où on trouve, c'est quoi, c'est 180 propositions, 185 titres. 185 propositions de lecture, hein, donc intégralement des éditeurs et des auteurs belges. Donc ce sont des éditeurs, des auteurs belges, et c'est très large, donc ce n'est pas que de la littérature, il y a de la BD, il y a un peu de manga, il y a un peu de tout. Ouais. À qui ça sert cette campagne de promotion? Qui en a besoin? Ce sont les éditeurs qui en ont besoin? Ce sont les auteurs? C'est le monde du livre en général? Oui, c'est le public? C'est toute la filière, tant les éditeurs que les libraires, que les auteurs ont besoin d'être mis en avant de temps en temps, et donc c'est vraiment l'objectif de cette campagne. Ouais, donc c'est un double coup de projecteur, hein. Il y a des opérations à l'étranger, ça c'est Wallonie-Bruxelles International qui s'en occupe, et puis il y a l'opération Belgique, ça c'est votre organisme qui en est le responsable. Ça booste les ventes, cette opération, c'est la quatrième édition, hein. Alors oui, j'espère que ça booste les ventes à gauche, à droite, mais le premier objectif reste la notoriété, hein. Ouais. C'est de faire connaître le livre belge au milieu de cette offre pléthorique de livres qu'on a aujourd'hui. Else de Clercq, je vous pose la question. Un livre belge, on parle de livre belge francophone ici, hein, ou un livre français, c'est la même chose? Vous faites une différence? Le public fait une différence? Est-ce qu'il voit une différence? Ou est-ce qu'on achète un livre indifféremment et on ne sait pas trop quelle étiquette bleu, blanc, rouge ou noir, jaune, rouge on peut mettre dessus? Bah, ça dépend un peu de ce que la personne cherche. Il y a des personnes qui entrent dans la librairie qui savent déjà exactement ce qu'elles souhaitent parce qu'elles ont été conseillées par les critiques, par les médias, etc. Et donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir parfois une forte présence médiatique française parce qu'on reste quand même malgré tout fort influencé par... Tout le monde ne regarde pas BX1, il y en a qui regardent encore d'autres chaînes. Tout à fait. Ouais. Et donc là, on peut avoir tendance du coup à être, parce qu'on a été informé ou influencé par des médias plutôt français, on peut être tenté de foncer sur le dernier best-seller français. Est-ce que vous, en tant que libraire, vous avez un petit pouvoir quand même de prescription ou de conseil? Vous avez ce réflexe ou ce désir de mettre la littérature belge plus en avant que d'autres ou pas? Alors voilà, tout à fait. Parfois, il y a des personnes qui arrivent et qui viennent justement pour se faire conseiller, parce qu'elles ont envie de découvrir, parce qu'elles ont envie de partager un coup de cœur avec le libraire. Et donc, c'est là toute la place du libraire qui peut alors orienter vers des livres choisis et qui peuvent être évidemment des livres de littérature belge. Donc, ouais. Dans ma librairie, par exemple, il y a vraiment un rayon qui est dédié à ça. Donc, chez vous, il y a un rayon spécifique, auteur belge? Oui, tout à fait. Oui. Et il a du succès? Ça a un intérêt pour le public ou pas? Il a du succès, tout à fait. Il y a des personnes aussi qui arrivent avec l'intention dès le départ de « je voudrais découvrir un auteur ou une autrice belge ». Quand on me parle, moi, d'auteur belge, spontanément, je vais citer Amélie Nothomb, alors plus vieux, Simenon, Marguerite Yourcenar, peut-être Éric-Emmanuel Schmitt. C'est qui les gros vendeurs belges aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Je laisse répondre. Moi, je pense que les livres ici belges que j'ai le plus vendus récemment, c'est par exemple le livre d'Antoine Wouters, qui vient d'obtenir le prix Rossel. Ouais. Les Dragons. Je signale qu'il a été invité cette semaine de David Courrier, qu'on peut revoir la vidéo dans le courrier recommandé. Ça se trouve sur le site web de BX1. Donc, ça, c'est un roman qui vous a plu? C'est un roman qui m'a beaucoup plu et donc j'ai aussi beaucoup conseillé aux clients. Et puis, il y a des romans belges que je n'ai pas lus, mais qui sont aussi très apprécié et très demandé parce que la presse belge en a beaucoup parlé aussi. Hein, donc, quand je cite le nom d'Amélie Nothomb ou de Éric-Emmanuel Schmitt, on sait que ce sont des gros vendeurs. Est-ce qu'ils font le poids face à des gros auteurs français? On peut parler de Musso et d'autres. Ou est-ce qu'on n'est pas dans la même catégorie? Ils font certainement le poids.
Alors, parler de catégorie, c'est un peu difficile. Je ne sais pas si on peut mettre Amélie Nothomb et Musso sur le même pied. Ça, chacun jugera. Mais ces deux-là, je pense que ça doit être quasiment les seuls auteurs francophones belges qui vivent de leur plume. Donc, ils sont clairement dans une autre catégorie que toute la masse d'auteurs de qualité que nous avons en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre de sa plume en Belgique ? Alors, c'est très difficile. En Belgique, non. Il y a quasiment peu, il y a très, très peu d'auteurs qui vivent de leur plume. Et c'est aussi une caractéristique de la filière. Hein. Il y a très peu d'éditeurs aussi qui arrivent à vivre à temps plein de leur métier d'éditeur. Et pour les libraires, ce n'est pas facile non plus. Oui, ah bah justement, on va entendre un représentant des éditeurs. Il s'appelle Arnaud Dubois. C'est un extrait d'une émission qu'on avait consacrée déjà, dans Plus d'Actu, au marché de l'édition belge. On était le 25 janvier. L'édition belge s'est toujours démarquée de l'édition française en étant sur la marge ou en étant dans les niches. Là où l'éditeur français n'était pas, l'édition belge pouvait se déployer. Et c'est pour ça que la bande dessinée s'est développée en Belgique, francophone essentiellement, parce qu'en France, personne ne l'éditait. C'est la même chose pour le livre de poche. C'est une invention qui est belge au départ et pas française. Ouais, mais donc aujourd'hui, par exemple, le livre d'art, le livre scolaire, les éditions juridiques, tout ça, ça peut être plus spécifiquement belge ? Alors, l'édition belge se caractérise par quelques gros secteurs, comme la bande dessinée qui est très exportatrice, ou alors des secteurs qui sont plutôt sur le marché intérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont les éditeurs scolaires et les éditeurs juridiques. Alors, Geoffroy Wolter, c'était Benoît Dubois et pas Arnaud. C'est pas très encourageant ce qu'il dit, votre confrère, on va l'appeler comme ça, il représente les éditeurs. Finalement, les éditeurs belges, ils font plus leur beurre là où les Français ne sont pas, c'est-à-dire pas forcément dans la grande littérature, pas forcément dans le roman. Exact, ouais. Exact. C'est typiquement belge, on est obligé d'occuper des niches pour s'en sortir, et ceci c'est au niveau global. Hein. Si on prend la majorité des éditeurs francophones belges, ce sont des petites, moyennes maisons qui doivent vraiment se battre pour exister sur le marché. Ouais. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce sont tous des passionnés. Hein. Si on prend les auteurs, dans toute cette filière, les auteurs, les éditeurs et aussi les libraires, ce sont des passionnés, et c'est ce qui fait que cette filière subsiste. Ouais. On a une idée du nombre de romans ou d'œuvres littéraires, parce qu'il faut peut-être être un petit peu plus large que les romans, qui sont édités chaque année en Belgique francophone. Vous avez ce chiffre-là ? Non, en roman, je n'ai malheureusement pas ce chiffre-là, mais on estime qu'il y a plus de 15 000 auteurs, d'une manière ou d'une autre, qui sont actifs en Belgique francophone. Alors, ils ne produisent pas tous un bouquin par an, c'est très, très, très divers. On a environ 300 maisons d'édition, donc ça vous donne une idée de ce que ça représente, ce n'est pas rien. Ouais. Le livre, il est en bonne santé ou c'est une filière qui vivote ? On a parfois dit que ça allait mourir, le livre. Ah, on a dit que ça allait mourir, mais ça fait plus que survivre. Hein. On voit que le marché est toujours bien vivant, entre autres grâce aux lecteurs. Pour vous donner une idée, ça représente grosso modo 265 millions de chiffres d'affaires par an. Ouais. Alors, je me tourne à nouveau vers Else de Klerk. Quand on décrit une filière un petit peu artisanale, vous confirmez, est-ce que c'est facile de vivre déjà en tant que libraire ? Vous avez ouvert il y a un an, mm-hmm. À Anderlecht, c'était un peu un pari ? C'est un peu un pari qui semble en tout cas être positif jusqu'ici, donc ça reste un défi, hein, ouvrir une librairie indépendante. Reste un défi vu que les marges restent malgré tout réduites. Mais en tout cas, c'est aussi une belle promesse parce que jusqu'ici, tout se passe plutôt bien. Ouais. Comment vous faites-vous pour sélectionner les livres que vous allez mettre en vente ou ceux que vous allez un petit peu plus pousser, mettre sur un présentoir, en une vitrine ? Ce sont les éditeurs qui vous contactent, c'est vous qui contactez les éditeurs. Comment fonctionne le chemin entre l'auteur et le libraire ? Alors il y a, je dirais, deux cas de figure. Donc soit l'éditeur lui-même va envoyer un représentant, une représentante qui va venir présenter des nouveautés. Parfois l'éditeur est lui-même représenté par un distributeur qui alors va globaliser plusieurs maisons d'édition et va venir présenter des catalogues plus ou moins exhaustifs. Donc là, c'est-à-dire que c'est vraiment l'éditeur ou le distributeur qui nous amène l'information. Et puis parfois, c'est au libraire vraiment de faire le travail de veille, et même c'est toujours
les deux sont cohabitent. Quoi. Il faut faire ce travail de veille permanente sur toutes les nouveautés. Et je dirais que c'est encore plus important pour la littérature belge, parce que de mon point de vue, je trouve que ce n'est pas si évident d'être bien informé sur l'actualité des nouvelles sorties, sur les nouveaux romans, etc. Donc ça demande beaucoup de travail pour le libraire, parce qu'il y a plus il y a cette nécessité d'aller chercher l'information. Parce qu'une petite maison d'édition belge, par exemple, a une force qui, par exemple, distribue par elle-même, a une force de diffusion plus faible que des gros distributeurs, des grosses machines plutôt françaises qui ont beaucoup plus de moyens. Alors, c'est un constat que vous posez et qu'avait également posé un de vos confrères. On va écouter Yves Limoges. Lui, il est le libraire du Raconteur. C'est une librairie de Woerwich Saint-Lambert. On a plein de petits éditeurs dans nos librairies et c'est ce qui fait, je dirais, le charme de nos librairies, c'est ne pas uniquement vendre des grands best-sellers. Donc on recherche ça, mais il faut encore que les éditeurs viennent jusqu'à nous. Hein, parfois on trouve comme ça sur Internet ou bien nos clients nous demandent et on trouve et on cherche, etc. Mais le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui se contentent d'éditer et puis qui ne font pas leur diffusion et leur distribution. Alors Geoffroy Wolters, c'est un petit peu un constat critique là, de la part des libraires. Il ne suffit pas d'éditer un livre, il faut ensuite encore le distribuer, donc le faire parvenir jusqu'au point de vente, et puis aussi le faire connaître. Est-ce que tous les éditeurs belges font bien ce job-là ou est-ce qu'on doit les aider un petit peu? Alors il faut les aider un petit peu. Il y a des problèmes purement logistiques, comme Els le disait, simplement de distribution et de diffusion. Ce n'est pas facile pour un éditeur de s'insérer dans ces grands circuits de distribution qui, eux, sont très efficaces, mais si on publie peu par an, si on a des faibles chiffres d'affaires, ce n'est pas facile d'y faire sa place. Il y a un très gros distributeur qui est un distributeur plutôt français, installé en Belgique. Il y a quelques mois, on avait parlé d'un regroupement de nombreux éditeurs francophones, justement pour avoir un poids et se faire représenter auprès des distributeurs. C'est tout à fait exact. C'est un des projets. Ça marche ou pas ? Oui, ça marche. C'est un des projets interprofessionnels que nous menons. Effectivement, c'est atteindre une masse critique en regroupant des petits éditeurs pour pouvoir faciliter la distribution et donc la disponibilité en librairie, faciliter aussi le travail des libraires. Ça veut dire qu'on se regroupe et on peut dire comme ça aux distributeurs, ben, on réserve un certain volume, et on peut dire après aux libraires, on vous assure et on réserve un certain volume. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, le libraire, il peut acheter un livre belge en même temps que son lot de mangas, de bandes dessinées, de livres français, etc. Et donc, il gagne sur les frais de port, il gagne aussi en facilité lorsqu'il passe sa commande, etc. Ouais, comment ça se passe chez vous, S. De Clercq ? Je suis un gros distributeur, ou le gros distributeur, on ne va pas citer son nom. Je viens chez vous, je peux vous dire, j'exige que ce livre-là il soit sur le présentoir et en vitrine, et j'exige que vous laissez une place importante à mes produits, sinon je ne vais pas bien vous servir la prochaine fois. Ça marche comme ça ou pas? Il y a un rapport de force? Alors, le distributeur n'a heureusement pas le droit d'exiger qu'on achète telle ou telle chose. Après, c'est sûr qu'il y a toujours un rapport de commercial, donc il y a des négociations qui doivent se faire et c'est un équilibre à trouver, puisque notre intention, nous, en tant que libraire, c'est aussi de progressivement, par exemple, améliorer sa marge. Et donc, c'est aussi, quelque part, montrer patte blanche au distributeur, trouver un consensus avec lui. Mais moi, personnellement, les représentants que je préfère rencontrer sont ceux qui ont compris la ligne de ma librairie et qui vont me proposer des livres qui correspondent à cela et qui ne vont pas m'obliger, qui vont plutôt... C'est-à-dire qu'alors, eux et moi, on devient partenaires d'un objectif commun qui est de faire partager des livres qui vont trouver leur public. Les best-sellers, ils ont une place importante chez vous ou pas ? Bah, les best-sellers ont leur place en partie, à côté d'autres choses qui sont plus des choix de coup de cœur. Et ça, je pense que c'est l'intérêt aussi d'une librairie indépendante, c'est de ne pas être uniquement dictée par les tendances du marché. Ouais. Alors, on parle des libraires, je voudrais qu'on parle un instant aussi des bibliothèques, parce qu'elles sont concernées par cette opération. C'est la même chose, elles jouent le jeu, elles doivent, pendant tout ce mois de novembre, mettre des productions belges en avant. Alors oui, elles jouent le jeu. Je pense qu'on en a 250 sur plus ou moins 500 qui jouent le jeu. Ça fait la moitié, ce qui est très très bien. Ce n'est pas toujours facile pour elles. Elles doivent être soutenues par leurs pouvoirs locaux, qui pourront aussi s'impliquer de temps en temps un petit peu plus dans la chaîne. Donc là, vous visez les communes et la Fédération de Bruxelles. Tout à fait, ouais. Et même les provinces. Il y a un contrat de filière qui existe et qui ferait bien d'être un petit peu dynamisé pour aussi aider
les bibliothèques. Je sens un petit peu critique là. Ça veut dire qu'il y a certaines bibliothèques où on va plus mettre en avant Guillaume Musso qu'Amélie Nothomb, pour prendre cet exemple-là, ou des petits auteurs ou des petits éditeurs belges, sans que ce soit péjoratif ce terme de petit. Ouais. Non, je ne suis pas du tout critique par rapport aux bibliothèques, ni par rapport aux libraires, mais on constate que ce n'est pas facile de faire passer la littérature belge auprès du public. Elle, ça a très bien expliqué toute une série de raisons qui justifient cela. Et ça, c'est pour cela qu'on mène cette campagne maintenant. Ouais. Les médias, ils ont un rôle important ? Extrêmement important. Ouais. Extrêmement important. Un auteur, il n'a pas son ouvrage n'est terminé que quand il va en librairie. Il ne suffit pas d'écrire, éditer, il faut rencontrer ses lecteurs. Et donc là, on a besoin des médias pour faire connaître les auteurs, pour faire connaître les maisons d'édition, c'est vraiment fondamental. Ouais. Else Clark, vous pouvez nous confirmer un effet média ? Un auteur qui passe dans une grande émission, la grande librairie, ou une autre, ou encore mieux, dans un journal télévisé, on va venir vous réclamer le bouquin, il sera plus facile à vendre ? Absolument, c'est pour ça que quelque part c'est un peu regrettable que, enfin je trouve que la force de frappe médiatique belge à propos de la littérature belge est un peu insuffisante, parce que finalement on a un peu l'impression que les médias belges jouent un peu aussi le jeu des médias français. Après il y a des exceptions, et donc moi il y a des choses que je suis, il y a de la presse que je lis, ou des émissions qui me permettent, moi, en tant que libraire, de m'informer sur les actualités belges. Donc, tout n'est pas à mettre... Mais pour le grand public, c'est pas évident d'avoir accès aux auteurs belges. Oui, je pense que, clairement, on reste très fortement influencé par les prescripteurs français. Quand vous organisez une rencontre entre un auteur et le public dans votre librairie, ce sont des choses importantes. Ça permet de contourner cet obstacle-là. Vous organisez une rencontre, il y a des livres qui se vendent derrière ? Ah oui, c'est sûr. Et ici, nous, en un an, on a organisé 22 rencontres littéraires, et 20 sur 22 sont des rencontres qui ont concerné des auteurs et des autrices belges. Donc, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de ma vision de cette librairie que je voyais comme une librairie de quartier, où finalement la proximité, je voulais une relation de proximité avec les lecteurs et lectrices, mais aussi avec les auteurs et les autrices, et de leur permettre de se rencontrer. Et du coup, voilà, il y a une accessibilité aussi plus grande avec les auteurs belges, c'est-à-dire qu'on a une poignée de main qui nous sépare, et pas 15 par rapport à une grande star française, et que c'est aussi chaque fois l'occasion de mettre en avant cette diversité, cette qualité de la littérature belge. On n'a pas à pâlir par rapport à la littérature française. Je crois qu'il faut plus de libraires comme Else de Clercq. Absolument, il faut plus de libraires. Je voudrais vous interroger quand même un instant sur le livre numérique, parce qu'on en parlait beaucoup il y a une dizaine d'années. C'était la révolution, ça allait remplacer le livre papier. C'est un petit peu un flop, le livre numérique, ou pas ? Ça ne s'est pas produit, en tout cas. Le livre papier est toujours bien vivant. Donc je pense qu'il y a un attachement au livre papier, à cette matérialité de l'écriture qui dans le papier. Et puis il y a une expérience de lecture qui n'est pas du tout la même que quand on lit de manière électronique. Alors, je voudrais vous interroger l'un et l'autre sur l'effet prix. On est dans une semaine où on vient d'avoir une rafale de prix, le Fémina, le Goncourt, le prix Rossel dont on a déjà parlé tout à l'heure. Je signale qu'il y a aussi un prix Rossel en bande dessinée qui était pour Jean Kremers et Françoise Keutens pour l'ensemble de son œuvre. Ça aussi, le prix littéraire, c'est un effet d'entraînement important sur le marché ? Ou pas encore ? Ou ça dépend des fois ? Oui, je dirais, bon, moi je n'ai qu'une année d'expérience derrière moi, donc je peux parler que de ce point de vue-là, mais ça dépend vraiment des fois. Le prix Goncourt de l'an dernier, moi je ne l'ai pratiquement pas... Enfin, je n'ai pas tellement vendu. Cette année, par contre, j'ai énormément de demandes. Énormément de demandes aussi déjà par rapport au prix Rossel. Alors qu'il y a d'autres livres qui avaient obtenu le prix Rossel qui n'ont pas... que j'ai eu plus de mal à vendre. Donc voilà, ça dépend vraiment. Je dirais, il n'y a pas que l'effet prix, il y a aussi le sujet dont ça traite, l'état d'esprit dans lequel sont les gens. On ne peut pas toujours prédire les comportements des lecteurs et des lectrices. Ouais. Quand on prend le prix Goncourt, par exemple, c'est un écrivain qui passe aux 20h de France Télévisions. Si on prend le prix Rossel, c'est quelqu'un qui a des articles dans un certain nombre de quotidiens belges, en l'occurrence. Ça aide à la médiatisation quand même. C'est la médiatisation plus que le prix ? Je pense que ce sont ou c'est les deux. C'est les deux, je dirais que c'est les deux. Je crois, Voltaire, est-ce qu'on a des statistiques, des idées de l'effet prix sur les romans, notamment belges, ou les bandes dessinées belges qui reçoivent un prix ?
Non, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un effet. Et comme le disait Els, ça dépend aussi après comment l'ouvrage est reçu par le public. Ouais. Je pense personnellement que le Rossel qui était attribué hier va avoir un beau succès. Parce que c'est un livre, je ne l'ai pas encore lu, mais l'auteur est remarquable. Donc Antoine Wauters. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça dépend aussi de la qualité de l'auteur. Et là, on a un bel exemple d'un auteur qui suit bien son bouquin, qui n'hésite pas à aller en librairie à gauche, à droite. Pour moi, c'est un exemple à suivre. Ouais, moi, je vous donne une statistique qui vaut ce qu'elle vaut. L'éditrice Luce Wilkin qui avait dit que, par exemple, Geneviève Damas, qui avait reçu le Rossel en 2011, ça avait multiplié les ventes par 8. Donc, ça avait quand même un petit effet. Maintenant, le prix Rossel, il ne va pas tout le temps à un éditeur belge. Mais ça, c'est que peut-être un autre débat. Comment est-ce que vous voyez le marché du livre et l'ensemble de la filière, pas qu'en termes économiques, mais aussi en termes de création dans les prochaines années? Est-ce qu'on va voir émerger de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices belges? Et est-ce que les maisons d'édition belges francophones ont encore un bel avenir devant elles, ou est-ce qu'il y a des dangers? Alors, on va avoir des belles choses qui vont sortir parce qu'on a beaucoup d'auteurs, ils sont très créatifs. Par contre, du côté des maisons d'édition, c'est difficile. Vous citiez Luce Wilkin, elle a malheureusement disparu il y a déjà quelques années. Donc voilà, c'est vraiment pas facile pour les maisons d'édition de subsister. Et je crains que dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, on assiste encore à des situations difficiles dans ce monde-là. Oui. Ouais, je voudrais vous interroger aussi, parce que c'est l'actualité, sur une forme de concentration du marché de l'édition en France, où on se retrouve avec deux grosses maisons. Il y a eu des rachats. On a le groupe Hachette d'un côté qui appartient à Vivendi, donc à Vincent Bolloré, et puis le groupe Editis qui vient d'être revendu à un autre opérateur. Quand on a deux gros opérateurs, c'est un petit peu moins de concurrence pour le marché. C'est une opportunité pour les Belges ou ça va être encore plus compliqué? Ils ont une production tellement énorme et une force de frappe incroyable qu'ils inondent réellement le marché. Hein, il faut savoir qu'en librairie généraliste, 9, voire même un petit peu plus, mais 9 livres sur 10 sont importés. Donc il y a très très peu de place pour la littérature belge là-dedans, et c'est très difficile pour un libraire de résister à ça. Hein, c'est plus facile de vendre un livre qui marche, parce qu'il faut boucler la fin du mois, que de devenir très spécialisé, de mettre du temps dans des ouvrages plus difficiles. Ouais. Else de Clare, vous allez continuer à résister? J'ai continué à résister, et je pense même qu'il y a... parce que finalement, les livres dont Geoffroy parle, qui quelque part des forces de frappe comme ça se vendent d'eux-mêmes, et je pense que le rôle du libraire, il vient justement sur tout ce qui vient à côté et qui, dans lequel il y a du... par exemple, chez moi, il y a un rayon poésie qui est très nourri de livres belges. Et je pense aussi que mon public est content de trouver ce rayon. Quelque part, à un moment, voilà, on peut amener aussi des petites niches comme ça, précieuses, qui permettent au public de rencontrer la littérature belge. Voilà, ça s'appelle « Lisez-vous le Belge ». C'est donc l'opération qui est en cours jusqu'à la fin du mois de novembre. Et bah, y a toute une série de propositions que vous pouvez retrouver, notamment dans ce petit fascicule. Merci d'avoir participé à ce débat à tous les deux. Merci. Demain, c'est Alain Hutchinson qui sera l'invité de Stéphanie Meyer, notre formule du vendredi. Vous pouvez poser vos questions à l'adresse mail plusdactu@bx1.be et sur les réseaux sociaux de BX1. Et puis demain matin, n'oubliez pas notre matinale Bonjour Bruxelles de 7 à 9h. Je recevrai notamment Jamali Casban et Jean-Marc Nollet. Continuez à bien vous informer. Restez sur BX1 et à demain.